c'est ça. Le musée à ciel ouvert, c'est écrire, je suis en train d'écrire l'histoire sur les murs. Parce que je sais que les jeunes que vous êtes, c'est pas parce que vous ne voulez pas. C'est parce qu'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de lieu là où vous pouvez aller vers la lecture et vous pouvez trouver des documents qui parlent non seulement de votre histoire, mais aussi de l'histoire des autres. C'est un peu ça. Je me dis, je vais mettre ça sur les murs, comme ça, tout jeune ou toute personne qui passe pourra connaître. Si je vous posais la question, vous connaissez Simone Veil? Non, madame. Vous connaissez Kimpa Vita? Non, madame. Déjà entendu parler. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour cela que quand je mets comme ça, Simone Veil, vous voyez, c'est une femme qui s'est battue pour les droits des femmes. Si je vous mets George Sand, même moi-même, j'avais toujours pensé que George Sand c'était un homme réservé pour les blancs. Il y avait toujours un endroit réservé pour les noirs. C'est pas grave. Une fois, elle a fini de travailler, elle est rentrée dans le bus, elle s'est assise le côté réservé pour les noirs. Sauf que rentre un blanc qui ne trouvait pas la place du côté des blancs et lui dit de se lever pour qu'il s'asseye. Elle a dit non. Elle a dit je suis assise là où on a dit pour les noirs. Donc je quitte pas. Elle est restée et du coup, on l'a emmenée au commissariat, on a voulu l'emprisonner et tous les Noirs se sont soulevés et c'est ça qui a libéré et qui a fait partie de la patte contre les Noirs. Il fut premier gouverneur noir, premier père de la première république noire et obtient la victoire qui conduira à l'abolition de l'esclavage. Il s'est bien battu ce monsieur, mais sa fin a été vraiment, on va dire ça, c'est pas évident parce que Napoléon l'a fait enfermer en France où il est décédé. Mais c'est une personne qui s'est beaucoup battue pour effectivement l'abolition de l'esclavage. Voilà. Monument national érigé en leur honneur à Chasselet. Il venait des contrées lointaines, de l'Afrique subsaharienne, Gabon, Centrafrique, Cameroun, Congo, Tchad, Sénégal, Guinée, Togo. Tirailleurs, j'ai une rose pour vous, une rose que vous méritez, pour tout le bien que vous avez fait. Ce combat pour la justice me touche, votre combativité m'interpelle, votre altruisme me dépasse. À l'origine de la fondation de Brazzaville se trouve la rencontre de deux personnages. Pierre Savagnin de Brazza, italien naturalisé français. Voilà. Et puis Oko, il est le premier, connu sous le nom de Makoko, on dit, dans les territoires s'étant au-delà des deux rives du Congo. Voilà, ok? Et puis, naturellement, nous parlons beaucoup de nos langues autochtones. J'insiste là-dessus. L'UNESCO a lancé la décennie des langues autochtones, 2022-2032, pour bâtir une communauté mondiale. Parce qu'il faut garder nos langues autochtones. Quand les gens vous posent la question, il faut dire, nous allons en parler tout à l'heure. L'histoire d'un peuple. L'histoire, c'est le passé humain. Mais c'est un passé qui nous instruit. Il faut connaître votre histoire pour être fier de vous-même. La reine Galifourou, naquit en 64, décédée en 56. Inhumé en 57, on embaume le corps. Et cette technique, il n'y a que chez nous qu'on la trouve. Et si cette technique a été mise en place en Égypte dans les temps passés et qu'on retrouve ça chez nous, c'est que nous venons directement d'Égypte et personne ne dira le coup. Monsieur. Je veux dire tout simplement le cachet d'Abizé. C'est tout. Et Mpumbali, c'est cet esprit que Zan envoie. Puisqu'il est caché, il est invisible, il nous a envoyé un esprit qui est proche de nous, qui nous écoute et qui, ma foi, exauce nos prières. Voilà. Les trois emblèmes du royaume, vous les connaissez, le lion, la panthère et la civette. Le lion, qui, la panthère, la civette. Voilà.
c'est une longue histoire. Pendant que j'étais administrateur maire à Mfilou, les jeunes lycéens de Mfilou ont écrit un poème qu'ils ont intitulé « Hommage à Madame le maire, notre mère ». Quand j'arrive chez moi, c'était tellement beau, je l'ai écrit sur ma résidence, le mur de ma résidence. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde s'arrêtait et lisait. Et puis, les jeunes venaient se photographier. Je leur posais la question de pourquoi. Ils ont dit, mais c'est tellement beau. J'ai dit, nous avons un problème chez nous. Le problème que nous avons, c'est que non seulement les bibliothèques sont plutôt difficiles à trouver chez nous, et que les jeunes n'ont vraiment pas accès à la lecture quand ils ont envie d'aller découvrir des écritures ou l'histoire. Je me suis dit, il faut que j'écrive l'histoire sur les murs. Parce que je vais viser sur la curiosité des jeunes. Si j'écris sur le mur, vous serez obligés de lire. Si je vous dis d'aller chercher le livre, vous n'allez pas avoir le temps de le faire. Alors, comme il y a ce domaine, j'ai tout fait pour entourer ce domaine de dîner et appeler des artistes peintres et leur dire, faites-moi ça. Je vous donne les thèmes et vous écrivez. Et les thèmes ne sont pas écrits au hasard. Je choisis les thèmes. D'ailleurs, j'ai reçu ici un représentant de l'ambassade de France. Il a dit, madame, vous avez un groupe scientifique qui y réfléchit? Non, c'est moi. C'est moi qui choisis les thèmes. Je choisis les thèmes qui non seulement, lesquels non seulement intéressent les jeunes, mais ce sont les thèmes qui font partie de leur histoire. Et je tiens beaucoup sur l'histoire. Je tiens beaucoup, j'y tiens. L'histoire, c'est vrai, c'est l'étude du passé humain. Mais c'est cette étude-là qui nous amène à nous comprendre et à bien bâtir l'avenir. Celui qui ne connaît pas son histoire ne sait pas là où il va. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas là où il va. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les autres qui l'ont dit avant moi. Et j'apprends beaucoup des autres. Nous apprenons beaucoup des autres. La génération précédente, cette génération-là a eu une expérience et nous devons profiter de cette expérience. Parce que si nous ne profitons pas de cette expérience, cela signifie que nous allons tout le temps renouveler. Tout le temps. On arrive là, on a cultivé un palmier et nous arrivons, nous disons, oh non, mais ce palmier, voilà quoi, ne nous intéresse pas. Nous allons cultiver un autre. Et ce palmier-là va prendre du temps à pousser. Alors que si on avait fait avec ce palmier qui était là avant, on aurait innové, pourquoi pas, et faire avancer tout simplement le palmier qui est déjà là. Oui, les générations précédentes nous ont légué beaucoup de connaissances. Il faut que nous nous appuyions sur ces connaissances pour pouvoir bâtir le futur et bâtir l'avenir. Mais en tout cas, je remercie beaucoup les responsables du complexe scolaire Emmanuel Saint-Hilaire. J'ai retenu. Merci. Merci d'avoir reçu cet appel de cœur. Pour qu'aujourd'hui, on puisse rendre ça effectif. Merci d'avoir donné l'engouement aux jeunes de pouvoir découvrir d'autres lieux, d'autres milieux, les histoires qui sont les nôtres et de pouvoir partager ensemble. J'espère que nous continuerons ensemble et nous pourrons bâtir encore plus, comme je l'ai dit, dans des projets avec nous. Je crois que l'école est un cadre, mais il ne faut pas trop confiner les enfants dans ce cadre-là. C'est pourquoi nous avons imaginé aujourd'hui un autre mode de transmission, notamment par cette excursion. Vous
savez, l'excursion, étymologiquement, c'est sortir pour aller faire les courses ailleurs. Donc nous avons amené les enfants ici à Igné pour que dans, hors du cadre habituel, qui les confine parfois un peu à la monotonie, etc., nous les avons amenés ici auprès de la reine Olu pour apprendre autre chose. C'est le prolongement d'une conférence que la reine nous a faite dans notre salle de conférence. Dans ce cadre étroit, nous avons pensé qu'on pouvait prolonger cette formation, ce contact avec elle. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un autre type de contact direct dans un milieu bucolique qui est ici. Aujourd'hui, nous avons mené dans le musée, on va dire un musée à ciel ouvert, pour venir. On nous a appris beaucoup sur la culture de notre pays, des choses qu'on ne savait pas et que la reine Eugénie Opou a daigné nous transmettre. Je me sens heureuse déjà d'avoir découvert une nouvelle partie du pays parce que je n'étais jamais arrivée à Igné et aussi parce qu'on nous a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur notre histoire qu'on était censé connaître. On nous a appris beaucoup sur l'histoire, par exemple sur Thomas Sankara, la reine Galefourou, le roi Makoko, beaucoup de choses sur eux, des parties de l'histoire que, par exemple, à l'école, on n'avait pas appris. C'est assez incroyable parce que c'est pas fréquent que des écoles organisent de telles activités. Et nous, on a eu cette chance. Beaucoup d'écoles n'ont pas cette chance de participer à de telles occasions, d'avoir de telles rencontres. Et je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet aux jeunes de se cultiver. On a eu droit à des informations que nous n'avions pas eues à l'école. En tout cas, pour l'information, ils ont raté. On a appris plein de choses que je ne savais pas à l'école. Ici, je l'ai appris. Il y a beaucoup des avantages sur ma culture et des choses où je ne connaissais pas avant, mais aujourd'hui, je l'ai connu. En tout cas, pour eux, ils ont raté. Et puis après, des choses que j'ai vues, je ne sais pas, hein, ils peuvent voir ça ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. En tout cas, je remercie le promoteur parce que toutes les écoles n'ont pas cette occasion de faire ce genre de choses.